Et je vais vous en parler, hein. L'hospitalité des Algériens. C'est ce qui vous a marqué ? C'est ce qui m'a le plus marqué, parce qu'on n'est pas vu comme des dollars ambulants, on est simplement vu comme des visiteurs, ils sont contents de voir revenir aussi des touristes, et vraiment, sincèrement, on est accueillis partout, comme si on était un membre de la famille. Je vous donne un exemple, je suis allé au roi de la Loubia. Alors ça, pour les Algériens qui écoutent, hein, ils connaissent, parce que c'est vraiment l'endroit où on mange ce qu'ils appellent la Loubia. C'est une espèce de soupe de haricots qu'on mange avec des sardines. Et le roi de la Loubia, c'est un endroit absolument historique. C'est là qu'on mange la meilleure Loubia. J'interroge un consommateur et au moment où je me dis, ben, je vais à mon tour goûter, il était allé à l'intérieur du restaurant pour m'offrir mon repas. Et il était parti. Votre déjeuner est payé? Non. Ah oui. Comment? Voilà. Non. Il ne demandait rien en retour. J'étais très embarrassé parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Ensuite, je me balade dans les rues, je tombe sur une bande de jeunes qui me dit, mais viens, c'est l'anniversaire de mon ami, viens dans une heure, on va fêter ça pour lui, on va t'inviter pour le thé, pour un petit gâteau. J'y suis allé et je me suis rendu sur place. Il avait une petite boutique, justement de boutique touristique. Il n'a pas voulu que j'achète quoi que ce soit. Il m'a offert des magnettes pour mon frigo. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment cette espèce de rapport désintéressé. Et moi, ça m'a sincèrement touché parce que il me semble que c'est de plus en plus rare qu'on trouve ça. Parce que voilà, le tourisme, le voyage, ben, ça se démocratise. On va à peu près partout aux quatre coins de la planète. Et quand on tombe sur ce genre de relations totalement généreuse, désintéressée, eh bien pour les touristes, c'est vraiment marquant et c'est ce que moi j'ai préféré dans ce voyage.